Les fleurs, là, le toboggan, tout ce bordel, là, c'est pas à moi, hein, c'est aux anciens proprios. Mais par contre, il y a du terrain, on va pouvoir courir après. Ah, c'est cool, ça. Bon, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Des crocs. Encore? Ça peut un peu avoir un pied de mes couilles. Tu veux bien t'asseoir dessus et faire la toupie? Bah, c'est pas fini, les broguets, là. Bon, alors, pour ceux qui font semblant de s'intéresser, peut-être monter et regarder l'intérieur. Des chiottes. Fou bouleversant. Tiens. Une salle à manger. Une cuisine. C'est une porcherie. Ouais. C'est pas chier. Un peu. Mais bon, je vais pas me faire chier. Parce que ça, j'ai encore des cartons à ouvrir. Bon. En même temps, on s'en fout, quoi. Mais bon. Passons à l'étage. Ah, un peu plus. Ah, le bruit d'escalier. On ne dit pas. Loin d'homme, attention. Donc, sur la gauche, c'est une vieille pièce que je restaure, c'est tout dégueulasse, c'est juste le carton. À droite, c'est ma chambre, c'est bon, je suis là pour moi. Ok. Donc là. Bah ouais, c'est plutôt bien rangé pour un mec qui habite là depuis une semaine. Ah, puis la belle collection de DVD, elle est cool. On regarde quoi, ça? Regarde les jaquettes, fais pas chier. Bon. Celle-là. Elle est inhabitée depuis quand, la maison? Oh, pas longtemps, en fait. Les derniers propriétaires ont déménagé il y a une semaine, en gros. Alors, t'attends surtout pas à ce qu'on a un mystère résout ainsi. Merde. Sont les crocs? Ils sont en bas, tu peux descendre, Michelangelo. Bon, bah maintenant qu'on s'est bien fait chier, on va peut-être commencer la soirée, non? Tu veux bien changer de vocabulaire, s'il te plaît? Va te faire enculer, ça va? Merci, c'est bon d'être aimé. Allez, on bouffe. Carré d'as. Enfoiré. Bon allez, payez vos cartes. C'est quand même plus sympa que de jouer au trivial. Mais bon, là, ça, je peux gagner. Et toi, Flo, justement, t'aurais pas utilisé un sort de clairvoyance pour voir les caradas à chaque fois? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est un peu le quatrième caradas, on s'en repart pas. Non, t'as dû rêver. Bon, bah, les gars, c'est pas la peine de jouer, hein. Caradas, c'est le bâtard. Enfin, arrêtez cette saloperie. Bon, regarde un film là. Non, non, au fond. On joue aux cartes maintenant. Ouais, mais ça devient long de devoir gagner aussi à chaque fois. Regardez mes doigts. Tu t'es coupé les mains avec les cartes. Oui, bah, parle pour toi, Bozo. Hein. Ah putain, pas de. T'as pas fait 4 là. Ah, il faut en ouvrir quand même. Hein. Yo!
Vous voulez que je vous foute les boules? Vas-y, fais ta plaisir. Pas de plaie. Quoi? Regardez, il n'y a pas de plaie. Arrête tes conneries, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois bien là, regarde. Tu peux voir? Pas de plaie. Et le sang, ça va pas tout seul quand même. Regarde les cartes, tu peux goûter le sang. C'est du vrai. Je mens pas. Tiens, toi t'as mis quelque chose derrière la tête là, quoi tu penses? Je sais pas, je sens quelque chose de bizarre qui sent du sang, c'est... Je sais pas, c'est pas précis, c'est... Tu penses à une manifestation occulte? Ouais, je sais pas ce que c'est. Bah au pire, on pourrait voir sur un PC s'il y a des phénomènes similaires, des parages... On pourrait voir, hein. On pourrait voir si Flo pète les plans. Ouais, mais enfin, en même temps, du occulte, il y en a un peu partout, donc je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, quand même. Ouais, et puis c'est pas comme si on n'avait rien connu de plus impressionnant, en fait, c'est sûr. Bon, pas de confirme, tiens. Je sens une forte présence de lourdeur dans la direction de Renault. Ouais, ferme un peu ta gueule, gros con, faut putain mec de rien. Bon, ouais, tu fais la vaisselle. Ça, c'est une bonne idée, ça. Bon, allez, c'est tombé, c'est toi qui vas y aller. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Simplement mouillé. Un coup de roule, ça. Ah, vous savez ce que je dirais, moi? Je dis qu'il est largement temps d'aller chercher le matos. Dame d'abord. Tu peux bien me dire ce que tu branles là? Je peux pas l'ouvrir. Je crois qu'on est légèrement bloqué. T'as l'air de bien le prendre. Mais Eddie, pourquoi quand t'achètes une maison, tu choisis celle avec des phénomènes inexpliqués qui font chier? Il y a forcément une explication, sinon on ne servirait à rien. On a mon PC là-haut. Audrey, t'as pas une idée? Ouais, j'imagine que si t'en avais une, tu serais empressé de me le dire. Bah, on va être obligé de bosser sans matos. Allez. Ça, c'était inattendu. Des fantômes qui jouent avec des clichés de films d'horreur. Ouais, bah... On essaye. Bah oui. Quelqu'un, faut aller chercher des désinfectants. Faut tenter l'escalier. Ouais.
sais pas, je me souviens de l'escalier, de la lumière qui s'éteint, mais après j'ai aucun souvenir. Ça ira ? Ouais, je pense que ça va aller. Personne ne serait étonné que ça s'ouvre pas. Ça par contre. Rien, évidemment. Sans rien ? Même pas des énergies ? Que dalle. Putain. Je vais essayer de programmer Alex sur le PC. S'il marche. C'est normal cette lumière.
On nous manipule. L'esprit qui est dans cette maison, quel qu'il soit, il a le dessus sur nous. Il faut absolument lui montrer qu'on n'est pas des marionnettes avec lesquelles on peut jouer à sa guise. C'est pourtant ce que vous êtes. Est-ce que tu racontes, Flo? Vous êtes des pantins, catapultés de pièce en pièce, pour faire suivre ce que j'écris est d'une facilité déconcertante. Vous êtes mes esclaves de marionnettistes fous. Je crois qu'il est possédé. Qui es-tu? Vous aimeriez le savoir. Rends-nous Flo! Jamais ce qu'il y a derrière sa tête. Merde. 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 Hé. Asseyez-vous les gants. Quoi? Assis. Chaque événement. Chuchotement, voix, images, même les fluctuations d'énergie, tout. En déduction, je sais exactement ce qui s'est passé.